La Russie a commencé à exporter du diesel vers le Soudan depuis l'embargo total de l'Union européenne sur les importations de produits pétroliers russes imposé en février 2023. Moscou cherche de nouveaux marchés pour ses produits raffinés. Les approvisionnements en diesel ont donc été détournés depuis vers le Brésil, la Turquie, des pays d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique comme le Soudan. Deux pétroliers, Pavorok et Kunga, ont en effet livré un total d'environ 70 000 tonnes de diesel à très faible teneur en soufre au Soudan, après avoir été chargés en février dans le port russe de Primorsk, sur la mer Baltique. Les cargaisons ont été déchargées au terminal Al-Kahir de Port-Soudan les 2 et 5 avril, selon les données d'expédition. Un autre navire, le Marabella Sun, chargé en mars, devrait être déchargé le 17 avril. Le Soudan a besoin d'environ 45 000 barils par jour de diesel pour répondre à la demande locale. Le pays importe 60 à 70 000 tonnes de diesel par mois, principalement d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Les arrivées de diesel au Soudan ont totalisé environ 116 000 tonnes métriques en mars.